Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Voilà, bonsoir. Nous sommes comme ça en route. On attend le taxi. Le match vient de se terminer. Je vais faire la vidéo du match. Je vais parler du match après. Mais pour le moment, le stade compte 25 000 places. Il y avait 22 000 Ivoiriens. 22 000 Ivoiriens, 400 Camerounais, 400 Nigériens. Les Ivoiriens nous ont hués. Ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela. Moi, je comprends que ça, c'est l'hypocrisie. Quand on dit belle famille, là, c'est l'hypocrisie. Donc, vous voulez notre mal comme ça? Il n'y a pas de drap. À partir de maintenant, appelez-moi Tchik de la Teranga. Tchik de la Teranga. Mané, c'est le nom de mon père. Vous allez comprendre, vous n'allez pas quoi. Vous allez vivre ça. Il y a regardé les fois où. Eh, Seigneur Jésus. Sadio Mané. Lundi, pardon. Vous oubliez qu'on dort, on se lève, ça fait lundi. Il y avait, je mets la vidéo. Il y a 22 000 Ivoiriens. Les Ivoiriens crient. Osimhen, Osimhen. Pardon. Hey. Ils ont chanté l'hymne de la du Nigeria. Non. Ils ont chanté l'hymne du Nigeria. Non. 22 000 Ivoiriens. Mais de l'or. Pas grave. Yafoy. On a perdu. Yafoy. Faut couper. Ce lundi là-bas, vous n'allez pas croire.
La coupe ne bouge pas. On a déjà parlé au moment d'Accra Joe. Elles ont vomi nos buts. Les trois buts qu'elles ont avalés contre le match de la Guinée équatoriale, elles ont vomi ces trois buts-là. Donc ce lundi-là, j'ai vu toute la population ivoirienne à partir de 14h. Le stade doit être déjà rempli à craquer. À partir de 14h, le stade de Yamoussoukro doit être rempli à craquer. Nous devons refuser du monde. Nous devons faire honneur à ces footballeurs-là. Honneur au président de la République. Honneur au drapeau de la Côte d'Ivoire. Qui a mon drapeau là? Dimitri, où est mon drapeau là? Où est mon drapeau là? On voit ça. Je voudrais se parler. On voit mon drapeau là. J'aimerais ici demander à toute la Côte d'Ivoire, à tous ces 9000 personnes connectées en direct, nous devons faire honneur à la Côte d'Ivoire. Ce lundi, chacun de vous doit être à Yamoussoukro. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Ça y va de notre honneur. Le chef du Cameroun est tombé. L'éléphant ne tombera pas. Parce que l'éléphant est l'animal le plus debout de la forêt. L'éléphant est l'animal le plus debout de la forêt. Quand il marche, c'est la tête tremble. Quand l'éléphant arrive, la tête tremble. Et même quand l'éléphant accouche, la pluie tombe. Le ciel est noir. Parce que c'est l'éléphant qui accouche. Mais quand le lion accouche, même chauve-souris ne fuit pas. La preuve en est, elle les a mougous sans lubrifier. Vous parlez à qui? Comme non, c'est ma mission l'auto. En vrai, même tu sais que la jeune de ce maillot là. Ça c'est quoi ça? Ils ont mangé le lion. Ils ont mangé le lion. Rentrez chez vous. Il est salopard. Il met tous nos bons joueurs au banc. Qui rentre? N'est-ce pas? Qui rentre? Allez, qui rentre? François. Monsieur François. Monsieur François. Monsieur François. Papa. Le président de la COCA, Monsieur François Amicha. Qui Dieu te bénisse, papa. Merci beaucoup pour l'honneur. Merci de m'avoir nommé ambassadeur reconnu de la COCAN. Le seul ambassadeur qui rentre là où le président s'assoit. Je suis le guide, je suis le légendaire, je suis le Abutu national. Après moi, c'est le village et avant moi, il n'y a pas de route. Je suis le guide, je suis l'unique, je suis l'artiste, je suis l'influenceur, le plus debout de la Côte d'Ivoire. Hey, Trump, il n'y a pas de mouvement, c'est Dieu donné, c'est la grâce. Quand ton cœur est pur, quand ton cœur est blanc, tu ne peux qu'aller de succès en succès, de gloire en gloire. Ils penseront que c'est un médicament. Ils diront que c'est un amour. Ils ne vont pas croire. Parce que quand ça frappe d'une manière spectaculaire. Que les gens deviennent fous sur nous. Yéli, je suis le guide. Il n'y a pas l'homme. Le seul et unique. Celui-là qui rentre là où les autres ne rentrent pas. C'est moi. Yaka. Les gars, dites-moi, est-ce que les Camerounais ont mérité ce sort? Est-ce que les Camerounais ont mérité ces moqueries et tout là? C'est le continent. Le continent est devenu quartier. Et le continent est le deuxième pays qui va rentrer dans cette CAN. Les joueurs camerounais vont devoir rentrer au Cameroun puisque le Cameroun est éliminé. Les gars, ils sont le continent. Ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Si on mettait sur cette équipe de Cameroun face à l'Angola qui a fait un bon jeu aujourd'hui, le jeu que le Cameroun a montré aux gens aujourd'hui face à l'Angola, le Cameroun allait remporter le match. Mais malheureusement, le Cameroun a été confronté au Nigeria, les Super Eagles. Les Super Eagles qui ont dominé le jeu, qui ont largement dominé le jeu. Sur le plan tactique, on voit la possession du Cameroun qui était élevée par rapport à la possession du Nigeria. Mais la maîtrise du jeu, les passes, tout, la technique, c'était le Nigeria. C'est juste mon point de vue. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de surtout partager cette vidéo, les gars.